On commence d'entrée de jeu, le let's play, mesdames et messieurs. Il y a un truc que j'aime quand je vois le logo Ubisoft, mesdames et messieurs, hashtag même pas ad encore, parce que c'est pas à 20h le hashtag ad. Il y a un truc que j'aime, mesdames et messieurs, avec le logo d'Ubisoft, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Fallait être à l'heure! Fallait être à l'heure! La révolution! Modo, modo! Modo, modo! Oh merde! De l'argent! De l'argent, les gars! The scam train, vite, 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 vite! Merci beaucoup, les gars. Merci, Quantième, pour les 17 mois. Izuku, 2 mois, merci. Libertad! Merci Boulet pour les 3 mois. Merlin, 29 mois. Merci Nicton pour les 13, 17 mois. Jalapeno, 3 mois. Procion, 22 mois. Haute Energy, 3 mois. Merci les gars. N'empêche, hey, les gars, extracteur et tout, ça peut être que bon. Ça peut être que bon, les gars. Remember Zia, tu veux que je croie? Tu veux que je m'étouffe? 10 000 bits d'entrée de jeu? C'est parce que t'as été en retard sur mon anniversaire, c'est ça? Merci beaucoup pour les 10 000 bits, Remember Zia. Joyeux anniversaire à moi-même, hein, du coup. Merci, mec. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Ça commence, hein, ça commence. Ça commence. Allez, les modos, au boulot. Les gars, on n'a jamais eu autant de boulot. Allez, claquez, 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 claquez. Il nous faut des nouveaux modos aussi. S'il y a des modos qui veulent claquer, un blocus funeste. Figé dans le passé depuis 47 ans, l'île sombra dans la pauvreté. Jusqu'à un nouveau dirigeant élu déclare pouvoir reconstruire le paradis. Le président de Yara. Anton Castillo. Classique, classique. Castillo, les gars. Mes chers vrais Yaran, devant vous, ma seule arme est la vérité. Trop longtemps, les hommes politiques ont volé notre pays. Mais vous avez choisi un projet, un remède, une route vers le paradis. Le Viviro, élaboré par nos meilleurs scientifiques. Covid ? Le traitement anti-cancer le plus efficace du monde entier. Cultivé dans nos champs de tabac et modifié avec le plus pur des engrais. Le Viviro est la clé pour reconstruire notre paradis. Mais notre paradis menteur. A un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais. Yara ne m'a pas élu pour des tâches faciles. Voleur, tricheur. Mais pour faire ce que je dois. Alors, avec ce nouvel élan, je dois étendre... Ça t'étais pas obligé de ban. Ok, Lidros, il faut qu'on mette les curseurs. Ok, les curseurs. Sur notre île. Ça, c'était pas obligé de battre. Ça a un petit. Même 24 heures, je trouve ça vénère, ok? C'est Yaran chanceux. Il faut pas mélanger, ok? Par tirage au sort. Il faut pas qu'on mélange les modos, ok? Faut pas qu'on mélange non plus. Hé, hey, Danny. Éteins-moi cette merde. Yaran, c'est pour pas dire Cuba, hein, c'est ça? Voilà. Ils ont inventé toute une nouvelle fiction. Ce que veut Castillo. Arrête la politique, l'État. C'est dans l'univers cubain. Vraiment qu'ils enrôlent que des vrais Yaran? C'est des parias. Des pauvres, des orphelins, ils sont comme nous. Ils ramènent du passé l'esclavage à Yara. Tu piges pas? Ouvre les yeux, putain. Attends. T'es parti dans la jungle avec une bande de guerrilleros. C'est Libertad. Et maintenant, tu veux nous recruter pour la croisade de Clara Garcia?
Non, mais dites-moi que je rêve. Danny, dis quelque chose, putain. Allô ? Bonsoir. Excusez-moi, en ce moment, je fais des AFK téléphone. Ok, chat ! Concentrez-vous ! Ça dit quoi le keep ? Merci Paul pour les tirs. Un Grimpy. Merci pour les 4 mois, merci Totolou pour les 4 mois, Agent Poupe 11 mois. Merci encore à Raymer Bowser pour les 10 000 bits. Bienvenue à tous mesdames et messieurs, on est sur ce let's play de Far Cry 6. Et à 20h on passe en coop avec... Donc en gros Yaran c'est pour dissimuler Cuba, c'est ça? C'est en gros ils ont pris l'univers cubain mais en gros ils ont tout recréé derrière pour pas créer de polémique. C'est ça, hein. Ok. Donc ils ont quand même pris l'univers, quoi. Ok. Moi, je sélectionne. Est-ce que je prends Danny Rojas, 4 mai 1996. Je suis plus vieux. Mec, ça me vénère, par contre. Non, ça me vénère. De jouer des gens plus vieux que... Je suis plus vieux que... C'est pas normal. Là, c'est là où tu vois que tu as pris un putain coup de vieux. Oh, putain. Ils sont plus jeunes que moi, mec. Danny Rojas. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ok, je prends la meuf. Tant pis. Moi, je prends la meuf. Ils ont écorché mon nom. Danny, tu pourrais aider Libertad. Tu sais faire. T'aurais pu être militaire si t'avais un peu de discipline. Viens avec nous, Lita. Ah, t'écoutes jamais rien, Danny. We're standing. Déjà. Le bateau attend. Cocktail au Mexique. Frérot, j'ai 6 ans de plus qu'elle, ça me vénère déjà. Ça me vénère de jouer dans un jeu vidéo un personnage qui est putain de blackout. Plus jeune que moi, non, ça m'énerve. Pas un blackout. Attends, t'as un flingue ? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du monde ! Tous les appelés se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Oh merde. Oh. Oh putain! Tous les appelés se manifestent. Nous devons elle est là, j'ai ce que dit. Ah, ça. Ah, ça. Allez, 96, oui. Allez, Ro, baisse-toi! Nous devons. Arrête, Castillo! Headshot, il va. Allez, tous les appelés se manifestent. Danny, classique. Faut y aller. Headshot dans la tête. Allez, le bateau, tu m'accompagnes. Jure-le-moi, Alita. Ok. Allez, viens, Danny. Vicky, merci pour les 10 000 bits, mon pote. Merci encore, mon amour. Esperanza. Ok, donc là c'est la guerre ici. Mesdames et messieurs, je suis en ultra maximum 4K hardcore max. Montrez-moi vos papiers. Il y a juste un espèce de flou mouvement là, non ? Non ? Il y a un espèce de truc là. Pourtant j'ai fait toutes mes options tout à l'heure, il me semble. Tout est ok pour le chat ? Je suis en ultra 4K. Ultra 4K. Hein. Texture HD activée, tout les gars. Flou, c'est mort, ok. J'ai tout activé les gars, tout. C'est ok, ok. Donc c'est moi, je deviens vraiment un boomer. Faudrait que bientôt que je vais jouer à la manette. On arrivera à Miami. On rendra hommage à l'héros. C'est promis. Bientôt je vais jouer à la manette les gars. Mais merde. Tu sais, je vais bouger. Je vais bouger comme ça, tu sais. Bon, ils sont où les easter eggs? Comment ça à terre? Surveillez votre jauge de détection et de furtivité. Discrétion maintenir.
La jauge de détection se remplit quand un soldat peut vous voir. Oui, c'est bon, j'ai joué à Assassin's Creed, t'inquiète. C'est vrai que dans certains jeux, quand tu t'accroupis, mon frérot, les mecs. Allez. Quoi? Y'a rien. FND, sortez de là! Y'a rien, qu'est-ce toi là? Comment je fais? Je vais lui sauter dessus, moi. C'est exactement ce qui va se passer. Ah, le but c'est de se faire cramer, je pense. Je suis déjà dans la tête des devs. Les gars, le but c'est de se faire cramer. Regardez ça. Tu peux dire Cam. Je suis déjà dans la tête des devs. J'ai un escape gamer. Encore ce bruit. Par là. Oh le bâtard. Ok, ok. Je résiste pas. Ah putain de merde. Vas-y, sauve-le ou je te bute. Attendez. Je peux rien faire. Tirez pas. Ça roule. Excuse-moi monsieur, je passe par là. Allez. Bonsoir monsieur le tank. J'arrive pas à courir. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Passons par les égouts. Super idée ça. Bonsoir monsieur. Je suis accroupi, vous pouvez plus voir. Je peux enfin courir. Yes. C'est parti. Cancel side. Assassin du guerrier rose de la révolution. Casse. Ouais, enfin on en voyait souvent. Speedrunner en ultra 4K. On peut le rajouter dans le titre ultra 4K. Non, il y a déjà trop de trucs dans le titre. Ultra 4K HD. Déjà en mode pro-gamer. Oh merde. On y est presque. La sortie vers la surface est proche. Bien. Hé hey, les gars, j'ai pas de temps pour ça. Donnez-moi une arme. Accédez au toit. Merde. Sans issue. Merde. Est-ce que vous voulez que je monte le son ou pas? Ou c'est bon les gars? Reste avec moi, Alita. Je monte le son ou tout est bon? Au moins, on sera pas spoilé par Chechounet. Le jeu est intuitif. Dani, ça va? Ouais. Il y a une terroriste. Pardon, excusez-moi. Il y a une terroriste. Madame, je suis la chef de la révolution. Non, monte un peu. La Torre de Léon. Le putain de château de Castillo. C'est en train d'exécuter tout le monde. Et la police, elle est où? Elle laisse l'armée nous massacrer? Le son, c'est bon? La noche de la muerte. Non, c'est bien, ok. Regardez ces flammes en ultra 4K. Le bateau est là-bas. Regardez le RTX. Regardez le reflet dans le sol. RTX on. Dépêche-toi, Alita. On y est presque. Le bateau, vite! Poussez-vous, moi d'abord! Il admire même pas les décors. On doit monter dans bien sûr que j'admire les décors. Oh merde, qu'est-ce que je vais faire avec ces mecs? Mec, le let's play, c'est probablement 25 heures de jeu. Mec, t'inquiète pas, on aura le temps d'admirer les décors. Doucement! Marco, sacré sens de l'accueil. Danny, t'es en retard. Il est où, Aléron? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries. Alero est un orphelin. Alero va plus pouvoir voyager maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter. Allez, dépêchez-vous. Merci. Merci. Sale merde. Laissez-nous monter. Attends, t'as besoin des sous-titres alors que c'était en français? Oh merde. Eh les gars, y'a rien de pire que d'être sur un bateau et d'être malade. Vraiment. Et, les gars, je vous jure. Y'a rien de pire. C'est tout ce que j'ai. Qui a déjà été malade en bateau? C'est terrible. On ne devrait se battre, pas s'enfuir chez les Yankees. Alero, t'as fait un putain de cadeau, Lita. On survit.
Comme à l'orphelinat, comme à l'académie. C'était quoi? Oh merde! Merci, pour les subs. Merci beaucoup les gars pour les subs. Et les resubs, merci beaucoup les gars. Ça on l'a vu en fait, ça on s'est fait spoil déjà, non? Moi je vous ai déjà fait spoil avec vous même, en live. Oh merde! El Presidente Castillo. Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons et ensuite, nous les relâchions. Menteur. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également un challenge. Sauf quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier pour le laisser s'échapper. Espèce de dingue! Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez... Vas-y, mémé, dis-le! J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas, Diego? Diego! Ah, merde. Mais non. Bravo, Diego. Merci, hashtag, merci, Diego. Il faut rentrer à la maison. Mémé, tout le monde va mourir grâce à Diego. J'en ai assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les. Ils peuvent travailler pour le Viviro. Vérité ou mensonge? Vérité. Ils feraient de bons ouvriers. Ils pourraient rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'ils survivent, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. Merci, Diego. 13 ans seulement. Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Hashtag merci, ce Diego. Ce poisson... Nous... le ferrons et le relâchons. Du coup. Qu'est-ce qui se passe là, putain? On est dans la merde. Vamos, vamos! Danny! Ça va les gars? Je crois que j'ai pris quelques balles. Ubisoft Shanghai! Putain, mais ils sont partout! Ubisoft Berlin! Ils sont partout! Lita! Je sens plus mes jambes. Merde, Lita! Tout est de ma faute! Mon téléphone! Laisse tomber, Lita! Mon téléphone! C'est la plage, Danny. Ce putain de destin. Quoi? C'est là qu'elle se cache. Clara. Libertad. Julio. Merde. Julio. Tout est là. Prends mon téléphone. Suis le code. Comme quand on était plus jeune. Arrête! Lita! Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, je vais trouver... Non! Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas. T'as toujours eu de la chance. Hashtag God. T'en as toujours eu. Lo siento, Lita. Merci Nanak pour le host, merci Ruro pour les 9 mois, Wabir 7 mois, Didipoule, 10 mois, Varvob 10 mois. Le gun! Mon gun! Waranix 4 mois, merci Velgam. Oh la machette! Notel 8 mois, merci Ariana pour les 9 mois, Moodlune 14 mois, Stezos 21 mois,
La vengeance et la révolution arrivent. Non, c'est pas, c'est révolution, c'est pas révolution. Ça c'est jalapeño. Oh, on dirait ZD, on dirait, tu sais, on dirait les zombies. Les zombies de la plage là. Je devrais récupérer le matos que je trouve et me barrer d'ici. Trouver le matos. Objectif. Je devrais chercher du matos. Alors là, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous revenez sur vos pas. Il y a un easter egg aussi derrière dans l'eau. Non, je vais pas commencer à perdre du temps, les gars, parce que sinon il va attendre. Mais je sais qu'il y a un easter egg. Il y a des vagues là, il y a des vagues. Pas assez de vagues, pas assez de vagues. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça, c'est l'arme de James Bond. Je dois trouver ce camp. Nouvelle photo. Cogno. Comment ce truc peut encore marcher? Cogno. Ce signe, c'est sûrement le code dont parlait Lita. J'ai rien compris. Mais en revanche, attendez. Ce qui est très important à savoir pour moi, c'est que j'ai récupéré des trucs avec mes points #ad. Il est où mon sniper? J'ai récupéré un sniper avec mes points. Ah, j'ai pas l'emplacement d'arme, je pense. Difficile de dire que ce sont des tâches de ketchup ou autre chose. Ok, très bien. D'accord, donc le menu, ça sert à quoi ça? Inspecter, bon. Allez, c'est terminé. Oh putain, il y a des ressources et tout, what the fuck. C'est un jeu de farm? Tiens, c'est un jeu de farm? What the fuck? Alors je tiens à préciser que c'est mon premier Far Cry aussi. Je peux plus avancer. Ah merde, attendez. C'est mon clavier, je l'ai mis à charger. Ok, c'est... Je suis imprésisé que c'est mon premier Far Cry, les gars. Il y a quelque chose qui brille. Oh, le easter egg. Un brassard bleu, ça doit être Libertad. Raphaël prend cette bombe de peinture et marque les pistes pour qu'on retrouve... Lo siento. Ta famille saura probablement jamais ce qui t'est arrivé. Ok, ok, donc je... Merde, qui est-ce qui tire? Faut pas faire de bruit. Ça doit être votre sueur, fichelingotant. C'est la puanteur des traîtres, pourri de l'intérieur. Ce sont des méchants? Sinon, comment j'aurais pu savoir que tu bossais pour Libertad? Je l'ai senti. C'est pour ça que je t'ai buté. Je vais le signaler au chef. Toi, tu vas te faire buter par des crânes et leur passe. Ils adorent la... C'est vrai que ça fait pas beaucoup de son. Surprise! C'est vrai que ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Ça fait pas beaucoup de bruit des coups de machette. Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. Ah, tu rentres dans la tête. C'est quoi? Ça pourrait servir. Oh merde, un pantalon. Pantalon à munitions. Attends, déjà j'améliore déjà. J'améliore déjà mes affaires. Augmente légèrement la capacité de munitions de votre arme en point. Oh, c'est stylé ça. Donc il y a des fringues. C'est, il y a des loot. Oh non. L'année dernière, le bateau des réfugiés a coulé. Nya, pas lu. J'ai failli pas prendre le sac. Bombe d'équipement. J'ai vu du easter egg là-bas, le gars. Je dois aller le chercher. Là, il y a du easter egg à fou. Attendez.
Désolé les gars, technique, les appels techniques. Excusez-moi mesdames et messieurs, on y va. Il y a du easter egg. Oh. Conformément aux ordres, j'ai amené mon escouade de patrouille 5h, le soldat Diaz s'est foulé la cheville, le soldat Pérez a été assigné à la corvée de nettoyage et aux toilettes pour avoir tiré accidentellement son arme, aucun signe de guérillos. Ils ont dû retourner dans leur trou. C'est tout? Attends mais... Dis où mon easter egg là? Là, il y a un truc bleu, là! Il est où, mon easter egg? Truc bleu! Truc bleu! Attends, mais c'est par là, en fait! Non? La FOV, tu peux... Elle est déjà à 110, vous voulez la 120? La mer est bleue, vas-y. C'est vrai ça? Il l'a peint la mer en bleu? Y'a pas d'easter egg, je suis très déçu, très déçu. 110 c'est bien, en fait j'ai peur que ça tire trop sur les perfs les gars. Parce que là j'ai vraiment mis ultra 4K maxi. Oh! Le easter egg, je le sens. Le easter egg gamer. Je crois pas que le camp de Clara soit par là. Oh! Elle croit pas? Hein? J'ai perdu mon chemin. Je dois faire demi-tour. Ok. Pratique! Cherche les. Bateau. Se tirer loin d'Yara. Facile. Et voilà que je me parle. Parfait. Oh merde! Il y a des créatures dans la forêt, les gars. Il y a des créatures. Oh, le easter egg. Oh, le easter egg. Oh, le easter egg. Les temps sont durs pour les guerriers Ross. Ça fait un bail que je me suis pas servi de ça. Kit de grappin. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Alors? Lara veut voir personne. J'ai vu une créature. Cinématique. Tu vas oser te montrer avant de me tuer? Je suis Dani, une amie de Lita. Silencio. Et il est bête? C'est moi qui joue? Tu es la seule survivante? Yor, pas je suis moi, merci Cluster, 28 mois, merci Abzi, 10 mois, merci Smoke Combo, 5 mois. Oh! Clara Garcia. Réponds-moi. Je répète, tu es la seule survivante. C'est... Quelle chance. Lita, quelle chance. C'est tout ce que t'as à dire? T'es là? Je sens que tout le jeu, je vais être le chanceux de base. Je compte bien me barrer de Yara. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge, quelques jours. Libertad n'est pas une ONG, désolée. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. Oh! 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 T'es orpheline, c'est ça? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Dani. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe.
Tirez-vous. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albizu. Et tu vas sauver Yara avec tes bouquins? Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres, un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple? Castillo, il a quoi? Dans les 300 000 soldats? Et tout ce que je vois, c'est 6 guerrilleros à bout et toi, avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas? Je vais te montrer. D'accord. Ok. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. Ok, une carte tactique, j'aime bien. Classique. Attaque de champ de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Wake. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui. Mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau. Pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Oh! Ils sont parfaits pour surprendre les soldats. Ou un plan sous-marin. Ou planquer ta trousse. Et ils ont des caches qui t'attendent. Tactique, sur... j'aime beaucoup. Et les données sont à jour? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça? Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Et il y a deux secondes, je voulais me barrer là. Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais que je suis pas une guerriera. Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. C'est la falle! C'était l'arme cheatée! C'est l'arme cheatée, ça! C'est une falle! Tu as commencé il y a combien de temps? 5 minutes. Falle! Comment je suis... Lire les larmes de Yara par Clara Garcia. T'es prête? Comment ça, je suis prête? Essai universitaire abîmé. Recharger munitions. Récupérer ferraille. Je récupère, les gars, je récupère. Lire. Easter egg? XXX est égal à XXXX. XXX CCC XXXXXXX. Point d'interrogation. Quelqu'un a résolu l'énigme? Est-ce que quelqu'un a déjà résolu l'énigme? Il y a des choses à récupérer, les gars. J'adore récupérer, je récupère. Clara vous écoute. Putain, elle est bizarre, Clara. Je récupère, je récupère. Suerte. Une nouvelle tête. Je récupère. Oh, maillot à munitions. Il est où mon sniper? Yes, je suis un guerrier là, c'est officiel. Faut que je remplace mes Jordans. Parce que j'ai du loot. Faut plus de loot. Oh, les toilettes, il y a du easter egg ça. Toujours du easter egg. Ouh. Voilà. Ça va? C'est quoi? Ok. Il y a une tiro mais je vais pas la prendre. Là, il y a du bleu. Ouh, je l'ai vu là, l'easter egg. Là.
Ça, je l'ai vu, ça. Ça, je l'ai vu, chat. Aïe, aïe. Ralentir l'hémorragie. Je ralentis. Je ralentis, ça arrive. Oh baby, j'ai ralenti les gars. Putain, j'ai cru que personne allait me sauver. Hola. Salut. Je suis pas mort, chat. Bon, je crois que je suis prêt, du coup. Clara Garcia. Cet archipel avec un homme du nom. Accepter et suivre. Rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. Tu m'as filé une arme ou pas? J'ai oublié. Oh putain, j'ai la falle, les gars. Ça va castagner. Pas loin quand même. Ouais, mais j'ai récupéré. Waouh! Danny, ton oreillette marche bien, tu me reçois? 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord? Ouais, entendu. Ça va. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. C'est noté, merci. Rengainez votre arme à maintenir la roue. Vous risquez tout de même d'éveiller des soupçons si vous approchez les soldats trop près. Dégainez rapidement. Clic. Aïe, putain. Comment je me soigne? Je suis blessé. Mais c'est dégueulasse! Oh, je récupère. Vous avez l'œil. On cherche un homme du nom de Juan Cortés. Ce nom me dit rien. À quoi il ressemble? Vieux, blanc, c'est un mensonge. Vos papiers? Je ne les ai pas sur moi. Pas de papiers? C'est très grave, ça. Je suis désolé, j'ai... Hey, pousse ton gun, je te jure, pousse ton gun. C'est bon. Quoi? Je viens de t'aider, je viens de te sauver. Dégradation du matériel. Ça me rend ouf. J'aide les gens et ils se barrent en courant. En mode c'est moi le terroriste. Inadmissible. Le mois 18 mois, Kevin, merci, 4 mois, Angenboat, 14 mois, Yanox, 10 mois, merci. Aujourd'hui, à Gunskin, 15 mois. Le bar le plus mytho d'Yara, ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Juan Cortés. Laisse la bouteille, ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi, règle numéro 16. Un guerrier ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre. Un autre rad, un autre barman pas beau à boire. Juan Cortés. On peut jamais être tranquille, Guapo. Oh putain, il y a un alligator. Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Ça veut dire beau, non, Guapo? Si. J'ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Mais je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour une héroïne, mais tu deviendras une accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon... Ok, spoiler, c'est déjà siffler. Mon... Je vous le dis, c'est mon père. Quoi? Spoiler. Non, tu sais pas siffler. C'est mon père, voilà. Je spoil déjà l'histoire, mesdames et... Oh, merde! C'est mon père, voilà les gars. Espèce de sale rat.
Sale rat. Tu vaux plus mort que vivant, en fait. Pourquoi il a mis le magazine ? Bordel. Si, je dois prouver amoureux de toi. Pourquoi il a mis le magazine ? J'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va ? Une fois encore, je crois qu'on est plus... Oh, la calage du mec ! Étouffer le bruit ! Attends, je récupère. Lire. Le bar a des oreilles, si t'as envie de boire, bois mes bouches là. Attends, mais la falle, c'est pas en coup par coup ça ? Quel est mon objectif ? Quel est mon objectif ? Attendez, j'ai pas fait les easter eggs. Je me retire les balles. Ah, j'ai le droit qu'à un soin. Donc j'ai utilisé ma pince pour retirer une balle. Oh, là il y a un truc. Butez-moi cette saloperie de porc. Les terres où ce fumier... Ouh ! J'offre 1000 pesos à quiconque le tuera. Exploser la gueule de ce sanglier. Oh ! Oh ! Cet enfoiré se fout de ma gueule. C'est une quête secondaire. Bon, allez, on y va. Bravo, arrête de jouer avec la nourriture. Bouffe-le. Cognon. Ok, c'est bon. Maintenant, barrons-nous avant que l'armée tout entière réplique. Je suis peut-être bourré, mais toujours lucide. Je te suis, le vieux. Oh, merde, y'a-tu... Merde, y'a-tu tes cas. Pardon. Ouais, on veut être ton ami. Ou alors il a juste envie de couler un bron. Il y a qu'un moyen de le savoir. Caresser ? Non mais c'est un délire là, c'est une... Tu es folle. Allez, mets la main dedans, mets ta tête dedans. 5000 bitures ! Terminer le défi avec Amigos. Il regagne de la santé et s'auto-réanime pour poursuivre. Merci beaucoup pour Furious pour les 5 bits, c'est un amour. Merci mon vieux. Yoni, merci pour les 7 mois. Azerko, 2 mois. Merci Blumo, 18 mois. Merci Yaya. On m'a dit que t'étais une légende, un ex du KGB, de la CIA. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Juan Cortés, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour son petit-déj. J'avoue, c'est un peu. Attends. Changement de plan, Dani. Attends, mais. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va là, bordel ? Je l'ai buté, hein ! Je l'ai buté, les gars ! Sa vie ne se régénère pas ! Tu vois cette fumée ? Ça veut dire que la tour de guet vient de recevoir une cargaison avec certains des matériaux les plus rares de Yara. Et tu vas les récupérer. Quoi, tu veux que j'aille voler des trucs pour toi ? Poudre à canon et catalyseur de Supremo. Ils sont aux flingues, ce que la bière est aux bricoleurs. Je vais t'apprendre à fabriquer des accessoires pour tes armes. Parce que c'est cool, et que comme la règle numéro 9 le dit, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Tu viens avec moi ? Putain, non. Prends Guapo si tu veux. Il t'aidera à tout déchiqueter. Mais si tu veux te la jouer en mode furtif, laisse-le là. Lui, il aime foutre le bordel. Ah ouais ? Je pourrais foutre le bordel monstre au avec moins, Guapo. Je peux compter sur toi, Guapo. Il y a la machette en toute description. Chat, vous voulez quoi ? Guapo, allez ! Vérifie tout. Et ne laisse rien sur place qui pourrait nous être utile. Guapo ? Ouais, ouais. Avec ou sans armes, les militaires vont pas m'ouper ici. 10 000 bits, Furies ! Merci mon pote, merci beaucoup mon vieux, t'es un amour. Merci Alvi pour les 5 mois, merci Prosti pour les 9 mois. Les gars, merci, joyeux anniversaire à vous les gars. Merci, les gars.
si furtif. Je suis tellement furtif. Mais quelle furtivité, bordel de merde. Je récupère. Ça pourra peut-être servir. Tu dirais qu'un truc non silencieux, frérot. Les gars, vous êtes malades! Joyeux anniversaire, Freeze! Mon pote, merci beaucoup, mon vieux, t'es un amour. Merci pour les 100 subs. Camille Dussec, 10 mois, merci Anecdote pour les 11 mois. Pauline, 10 mois, merci Papy Lulo pour les 21 mois. Merci les gars! Et vous régalez, c'est quoi ça? Joyeux anniversaire, c'est ton anniversaire? Vous voulez John Wick? Ah, vous voulez John Wick? Ah, vas-y, y'a pas de soucis, hein, les gars. Ah ouais, c'est difficile un petit peu de faire John Wick, mais vas-y, je vais le faire. Je vais le faire. On va faire John Wick, les gars. Damn. Ok, on va faire John Wick. Du coup, je joue que pistolet, hein, parce que ça sert à rien, là. Une annonce spéciale del presidente Anton Castillo. Je récupère. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Juan? Faudra canon. Passons aux choses sérieuses. Putain, ma vie, elle remonte pas automatiquement, c'est lourd. J'ai trouvé ton truc, Juan. Bien joué, Dali. Maintenant, mène-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Mais... pa, pa. 8 balles dedans, ok. C'était surfé, ouais. Les vagues étaient meilleures qu'hier. Hier, c'était trop violent, les gars. Je me suis fait juste laver le cul, en fait, hier. Hier, c'est 3 mètres, les gars. Alors, je me suis lavé l'anus. J'ai encore des algues coincées dans le cul, les gars. Je vous jure, de hier. Règle numéro 8. Guerriero, ça va tant. Une araignée dans sa... Aujourd'hui, c'était 2 mètres. C'est bien 2 mètres, c'est vraiment, c'est mon niveau encore 2 mètres. J'ai pas encore un niveau pour au-dessus de 2 mètres. J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allé bien loin. Ouais, ouais. Et moi je suis arrivé ici dans un hélico, pile pour notre petite invasion de Sanctuario. Tombé direct du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire? Un orphelinat à Esperanza. Puis l'armée. Merci à ta gamme, excuse-moi, merci Jordan pour le tir. J'ai seulement Clara jusqu'à... Ok, Furize, écoute-moi bien. Toi là, mon frérot... Toi là, mon frérot, ça suffit maintenant. C'est terminé, mon frérot. Tu arrêtes. 12 000 bits. Merci mon amour, t'es un amour. Merci mon pote, joyeux anniversaire à toi aussi mec. Merci beaucoup mon vieux. Merci. Merci mec. C'est beaucoup là. Hein. T'es un fou furieux toi. Hein. T'es un fou furieux mon frérot. Merci mon pote. Sort de cette île. Règle numéro 20. Guerriero un jour, guerriero toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accros à la poudre blanche. Y a pas d'autre solution. Ma solution, c'est l'Amérique. L'Amérique. Tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran? Le rêve américain, c'est pour les Américains. Merci, Oltagama, pour les 5 subs. Merci, les gars, merci. Non, Wapo déteste Lila. Cogno. Pourquoi il me suit? J'ai tellement envie de tirer. Qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en Wapo. Ouais, je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélicoptère avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux la réparer? Les gars, merci, je sais, pour les 10 mois, merci DM0, 5 subs, Oltakala, 5 subs encore, merci, oui, oui. Merci, bande de fous, merci beaucoup. Patience, Dani. Maintenant, Juan Cortés va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien.
t'ai déjà parlé de la règle numéro 9. À l'instant. Je voulais savoir où as-tu acheté ce jeu. Alors, merci beaucoup d'avoir posé cette question. J'ai acheté ça sur le Epic Game Store avec le code créateur LoClearY. J'ai aussi acheté Battlefield 2042 et Far Cry 6 avec le code créateur LoClearY. LoClearY, ok, LoClear avec un Y à la fin, LoClearY, ok. Ouais, j'ai aussi fait ça, merci mon vieux. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Règle pleine de bon sens. Ok. Arrête de déconner, faut y aller. Il fallait que j'essaye, chat. Il fallait que j'essaye. On était 6 guerrieros, maintenant on est 5. On était 6 guerrieros, maintenant on est 5. Combien ils sont? Le retour de la légende. Ouais, bah la légende doit aller pisser. Qui c'est? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Danny. C'est du bois que j'ai sur les épaules. Règle numéro 11. Dans la guérilla, bricoler, ce n'est pas simplement faire avec ce qu'on a. C'est s'en servir pour semer le chaos. Merci au Takalam encore pour les deux subs. Il est temps que t'apprennes à bricoler, Danny. J'ai monté un moteur de tronçonneuse sur mon vélo à 6 ans. Le blocus me force à bricoler tous les jours, Juan. Voilà, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guerriero. Vas-y, Danny, fais-toi la main. Alors, regardons un peu tes armes. Ne le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. On va s'occuper. Il a chier, ouais. Non mais viens, j'améliore autre chose. Règle numéro 9, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Ouais, tu l'as dit 50 fois. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis... Balle à tête creuse. Comment faire pour buter les gens plus... Ça sert à quoi une balle à tête creuse, les gars? C'est les balles à tête creuse. Ah ouais, c'est quoi la différence entre une balle à tête creuse et une balle avec... tu sais, la pointe. La balle avec la pointe, elle va plus loin, donc elle a plus de vélocité, je suis d'accord. Mais la balle à tête creuse fait plus mal, c'est ça? Bon bah c'est exactement ça. Mais dans la vraie vie je parlais, les gars. C'est marqué The Bee. Non mais je vous parle dans la vraie vie. Eh, Cruzier, merci 10 subs. Merci Follow Me pour les 4 mois. Brassier d'acier, bras d'acier, merci pour les tiers 1. Follow Me, sub offert, merci mon vieux. Super Danny, tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque, les balles sont fiables et précises. Elle transperce le Kevlar comme une vulgaire motte de beurre. Bah la trajectoire rectiligne. Bien. Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Trop passons bien. Passons à tes accessoires. La tête creuse reste dans le corps. Silencieux. Et c'est grave. Ça va te transformer un bang. Silencieux bricolé, réduit légèrement les bruits de l'arme. T'as vu comme c'était facile. J'ai déjà mon sniper. Attends, c'est mon sniper. Non, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établi est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Hashtag ad. Attends une seconde. Mais attendez, mais où sont mes armes? J'ai acheté des armes dans le shop. Hashtag ad. Et John Wick, il a un silencieux. Il me faut le silencieux là. Et les gars. Oh merde, il va falloir que je farme. Oh merde, il va falloir que je farm, putain. Mais les gars, il est où mon sniper? Fabriquer des trucs. Boutique. Je pas. Extension, pack. Les gars, où est... Où sont-ils? Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yara. Où est Thor, la nouvelle recrue? Je sais pas, je crois qu'elle vient d'Esperanza. Ouais, ça me dit trop rien.
Lui donne pas. Il y a un sac là. Personnaliser et améliorer des armes bricolées de l'établi en utilisant des matériaux. Voler des matériaux, ravitaillement militaire, chasser des animaux et échanger de la viande contre des matériaux. Vas-y, let's go! Ça te dirait d'aller promener, guapo? Non? Dani, j'ai de grands projets pour toi. Rends la bise, augmente considérablement la défense globale lorsque vous sprintez. Sérieux? Je sais, tu vas me dire. Mais c'est une montre magique? Aussi facile que de fumer un cigare le dimanche. 1200 mètres! C'est toujours ton instinct. Mission clandestine. Attendez. Moi, je veux la mission. Je veux la mission principale. Aucun suivi. C'est mission principale, ça, ou pas? Fais gaffe à toi par ici. Je veux le sac, là. Comment je fais 1200 mètres? Je l'ai fait à pied? Ils sont fous! Oh! Ben alors, madame! Une nouvelle recrue. Elle est de retour! Elle est de retour, les gars! Faut que je fasse des sangliers, les gars. J'ai un sniper là, c'est terminé pour eux, ils peuvent rien faire. Oh merde, y'a un cheval hein. Oh bonjour, garde espoir. Eh, hey, tu m'as mal regardé toi. Hein, attends, pourquoi je voudrais le cheval d'une innocente? Arrête-toi! Sors de la bagnole! Désolé, réquisition de Libertad. Voilà, pourquoi je prendrais un cheval? Tu sais faire quoi, moi, maintenant? Dégage! Ah, ça, c'est bien, ça! Ça, c'est bien, j'aime bien, ça! La voiture, c'est mieux que le cheval, quand même! Dégage! T'avais pas une meilleure voiture, là? Comment j'active le boost? Oups! Deuxième série. Oh, il y a une moto. Dali, petit cours de dictature pour les nuls. Les postes de contrôle empêchent les habitants de se déplacer dans Yara. Leur foutu air se lacère les pneus des bagnoles. Enfin, sauf si t'es un cheval. Je sais, j'ai eu ma dose à Esperanza. Sécurise les postes. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce qu'ils me font, eux? Hein? Prenez garde aux Hers, conduit rapidement, éliminez les soldats et détruisez les panneaux FND pour capturer le poste de contrôle. Un éclaireur de la guerre et des véhicules seront disponibles une fois le poste capturé. Non, pas la photo, pas la photo. Voilà. Eh, hey, je veux plus de monde là. Il faut plus de monde.
Il me faut plus de monde là. Ouh, je veux la casser à l'intérieur. Oh, je récupère. Oh, fusil de sniper. Oh là 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 là. Mais les gars, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Putain, mais il est grave bien équipé en plus. Balle standard. Chemisée, quel est ton pré... Quoi? Quoi? J'ai un skin. Ok. Donc 4, c'est le pistolet, ok. Putain, j'ai 4 armes. Non, mais laisse tomber John Wickos, là, ça va cogner. J'ai une clé. Mais je dois faire quoi, là? What the fuck? C'est quoi ce viseur horrible? Qui a mis du scotch sur mon viseur? Comment je dois faire pour capturer le poste? Fais gaffe! J'ai cassé ça. Détruit le panneau. Détruit le panneau d'affichage. Grenade! Le panneau d'affichage. Le panneau à l'entrée. Oh mon dieu, quel... Je suis un génie! Cinématique, j'ai capturé un territoire. Oui, mon premier territoire. Ah, j'adore. Des loot supplémentaires? Pas de loot. Les gars, j'ai trouvé des clés ici, qu'est-ce que j'en fais? Ouh, le gamin. Toi. Oui, toi. Nouvelle destination rapide débloquée. Juan, le poste de contrôle est dégagé. Ça t'a fait du bien, pas vrai? T'as pas mal soigné ton karma aujourd'hui. Continue comme ça. Tout doux. T'es méchant toi ou pas? Ah non. Vas-y. Merde, je suis pas monté à cheval depuis l'entraînement de base. J'ai le mal de mer, les gars. J'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu. Je me mets en route. Hein? C'est sûr, il y a un easter egg là, les gars. Je vais y aller. Alors? Des chaussures. Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous rechargez. Oh, let's go baby. Comment je descends? Ah non, attends, je peux prendre une tyrolienne là. Olé! Améliore tes Geox. Geox, c'est bien ou pas?
Il y a comme chaussure, c'est bien ou pas, Geox, comme marque? T'es au bon endroit, Dani. Je m'appelle Raissa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste? De l'uranium appauvri. Pardon, j'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire? Comme tout le monde, non? Ok. Doucement avec ta machette. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Vas-y, t'as des loot. Parachute! Trop bien! Oh putain, je peux buter tout le monde. La falle, elle est éclatée. Appelez, vraiment. Appelez ou volontaire? Appelez. Ils ont tiré mon numéro, alors oh, j'y suis allée. Et toi? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxio, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit pot de vin. Ok, je range mon arme et je sors mes pistes. Certains soldats sont des agents doubles des FND, disposent de précieuses infos. Rengainez votre arme et soudoyez l'agent double des caches FND. Je peux pas juste... Je peux pas le soudoyer avec la force. Hé, voilà. Hey, je vous ai à l'œil. 107. T'as trouvé quoi? Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Merci. C'est de ma gueule, non? Pas de quoi. Je sais pas ce que vous préparez, Raissa et quoi. Tout le monde a un prix. Tous les soldats sont pas des fanatiques. Certains essaient juste de nourrir leur famille. Mais n'oublie pas de ranger cette flingue avant d'appeler. Fuck Castillo, ok. Quel est mon objectif? Elles sont mes armes. Je récupère. Oh putain. Je vais améliorer mon petit gun, les gars. Je pense qu'il y a que ça de vrai. Genre vraiment, je pense que c'est la meilleure arme du jeu, les gars. Je peux en faire. Attends, mais j'ai pas mis les balles holo. Métal. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Oh. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. Ah bah voilà, bah j'ai le sniper. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Bon. J'en ai assez fait. Je peux utiliser mon téléphone pour scanner la zone et repérer les soldats. Ok, c'est bon, j'ai compris, merci. Allez, on y va. Bon, les gars, on est où là? Retournez, échec de l'objectif. Vous avez... Hein? Mathias, ça sert à un tiers, un twin, 23 mois, merci. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. Ça y est, non? Balle perforante. X. 5000 bits, Nathan, merci mon vieux. Pilouard, 10 subs, merci les gars!
Les gars, balle perforante, j'ai compris. Espionner le fort Quinto. Voilà l'officier qui commande. Ah. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Ce salaud est coriace. Utilisez pas le fauteuil pour me marquer, nanana. Mais frérot, utilisez ta bille pour fabriquer et installer différentes armes de munitions. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ses soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles. Mais il devrait pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Danny. Comment je fabrique des balles perforantes? Je veux des balles perforantes sur lui, là. Hein? Ah, poudre à canon 1. Je suis baisé. Le parachute que je t'ai filé devrait être utile. Évite juste d'atterrir au milieu du fort, d'accord? Plus bas dans la tour. Vraiment? Y'a que les noobs qui utilisent le grappin ici. Voilà, ça c'est un pro gamer. Qui a besoin des balles perforantes, eh? Rien de ça, j'ai besoin de balles perforantes, moi, tu vas voir. Ça sert à rien les balles perforantes. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec une machette? La machette contre les balles perforantes, c'est la machette la technique. J'ai envie d'escalader comme dans Assassin's Creed, mais je peux pas. Danny, attention, ils ont rappelé leur patrouille. Quoi? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Oh merde. Ok, plan B, les gars. Bam! Tu vas voir, moi, je suis spécialisé corps à corps. Surprise! Ne bouge pas. Je bouge plus, c'est bon. Aïe 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 aïe. Retenir, je retiens. Je suis mort. Bon les gars, on est dans la merde. On est dans la merde, j'ai pas de balles perforantes. Embassement, balle à tête creuse. Oh, j'ai des balles perforantes. Avec mon fusil, c'est bon. Donc c'est la M16 qu'il faut que j'utilise, ok. Ils sont morts. Ils sont morts, c'est terminé. Voilà. En plus, j'ai le silencieux, donc c'est nickel. J'ai intérêt à faire gaffe. Là, c'est pas John Wick, les gars. C'est pas John Wick. Là, c'est infiltration. Y'a plus personne là. Il est de votre devoir d'informer notre protecteur
C'est vraiment incroyable. Les loots, ils sont où? La clé. Ça devrait m'amener à l'uranium de Rouen. Oh putain, des loots. Oh là là, le régal, oh le régal. Poudre à canon, yes. L'uranium. Juan, putain, t'as oublié de me dire que je volais de l'uranium. Je voulais te faire la surprise. Allez, rapporte-moi. Et si cette merde me tue? C'est de l'uranium appauvri, Danny. Pas bon. Fais pas ta sucrée. Putain. Hein? Je suis là. Mais ils sont où? Oh, ça pue le easter egg. Oh, oh lolo. Il est rentré dans le camp de Clara. Oh lolo. Non. Mais prends pas l'échelle que Claude. Saute. Les mecs, ils étaient... Oh merde, j'ai envie de rentrer là-dedans. Oh putain, je... Coupe la grille. Hé, hey, j'ai envie de rentrer là-dedans, hé hey. Mais vraiment, on est si bêtes? On est à ce moment-là bêtes? Les gars, je suis si bête? Qui m'attaque? On est vraiment bête? T'es où? Oh le bâtard! Hein. Arrête avec les échelles, s'en supplie. Y'a un truc qui est piné là, les gars. C'est une énigme. C'est une énigme. La planche casse là. Quelle planche? Putain, vous êtes incroyable. Oh putain. Putain, putain, c'est quoi, c'est quoi? Oh! J'ai gagné 2 étoiles sur mon pistolet, mais c'est incroyable! Et là, je pourrais l'améliorer du coup. Attends. Mais c'est le même pistolet unique. Oh mon dieu les gars, j'ai le pistolet d'or. On a easterigué le jeu. Lâche l'échelle. Il est rentré au camp. Mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Y'a pas un bateau? Oh, ce serait bien là, un petit bateau.
Pas de bateau? Les gars, je viens de penser à gâteau parce que ça ramenait beaucoup à bateau. Et là, j'ai envie de manger un Death by Chocolate. Je sais pas si vous connaissez, les gars. Oh putain, mec. Qu'est-ce que je suis gourmand quand même, les gars. Je suis vraiment gourmand. Hein. 1000 mètres. Attends, mais je peux me téléporter, non? Je peux me téléporter là-bas, non? Déplacement rapide. Déplacement rapide. Oh les gars, let's go! Let's go, le déplacement rapide. Quand est-ce que je peux jouer en coop? Salut, Juan. C'est l'heure du bricolage, Danny. Uranium, non mais mec, tu touches de l'uranium comme ça? Formidable vestige de l'enrichissement. C'est pas genre ultra riche en radiation? Les Yankees s'en servent pour les chars et les balles. Quelle bande de tarés. Ça a l'air. Tu touches pas de l'uranium comme tu ça, si? Une putain de super-héroïne, Danny. Lita et moi, on arrivait à en rapporter à l'orphelinat. Une lecture fondamentale quand on attend dans la boue de faire sauter un convoi. Je voulais du sucre. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. C'est une pizza? Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Ah, ça. Ça, je voulais un. Et un Supremo. Supremo! On dirait un lance-roquette. Si, ça fait ça aussi. Autre chose, laisse-moi te présenter. Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages, Juan. Tu m'étonnes. Comment ça va? Pas du point. Un Supremo? C'est comme un bon coup. Ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle là? En partie. Ce qui compte, merci, c'est d'avoir plusieurs atouts. Va à l'établi, je vais te montrer. Les Supremos, c'est jetons un coup d'œil à ce Supremo. What the fuck? Donc j'ai un lance-roquette de sac. Frappe de la grande, tire une salve de roquette qui cible les ennemis qui explosent à l'impact. Non mais c'est trop cheaté. L'ingrédient spécial qui fait que la magie opère. Choisis un gadget, Danny. Balbus, distrait les ennemis proches. Dispositif incendiaire qui répand les flammes en explosant. Qu'est-ce que je vais distraire des gens, hein? Donne-moi la Molotov. Modif est déjà installé dans un autre emplacement. Ah, c'est bon. Ah merde, attends. Grenade à perception. La grenade à perception marque les ennemis à proximité. Parfait. Ah, explosif. Maintenant, on va parler à Clara. L'heure est venue de tester ce Supremo. Oh yeah. Eh, hey, Clara. Bien sûr, j'ai pris la moto. Il est largement temps d'essayer ce Supremo. Et alors, je vais où? Ouvrez A pour maintenir la roue des armes et sélectionner les gadgets. Lancez gadget équipé. Ah, donc ça, c'est les grenades. Oh, niveau 2! Les vendeurs d'armes et d'équipements Juan proposent des nouveaux articles. Oh, il est énorme ce croco. Je peux jouer en coop maintenant? La montre de Hamilton. Combattez le régime pour gagner en puissance. Capturez les cibles militaires. Détruisez et volez le matériel des ressources militaires. Très bien, ah, cassez, voilà. Cassez, moins cassez. Inutile de te dire que le régime de Castillo donne leur une leçon. Bonne chance. Ok, 430 mètres, facile. What the fuck? Mais c'est un lance-flamme! Les gars, je pensais que c'était un lance-roquette. Il m'a aussi filé un lance-flamme. Non mais mec, laisse tomber. Wouh! Il est temps de voir ce que ce Supremo a dans le bide. Si ça chauffe trop avec les soldats, presse la détente. Il y a un tout petit truc que tu dois savoir. Dis-moi. Les Supremos sont en phase expérimentale. Ils ont besoin de respirer un peu entre deux utilisations, sinon ils surchauffent et peuvent te tuer. T'aurais pu me le dire avant.
Easter egg? T'aurais pu me le dire avant que je me l'attache dans le dos. Allez, laisse le Supremo se repaître du sang de tes ennemis. Quoi? Tu verras, Danny. Tu comprendras. Putain, la FOV du cheval, elle est... Tout va bien. Ce sont les puissants dispositifs construits par Juan qui proposent des capacités uniques. Ça fait un déplacement rapide ou pas? Arme principale, Supremo. Ok. Je voulais modifier mon arme de poing. Ça, je peux modifier ça? Ah, tu peux pas modifier, d'accord. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que c'est... Et là, on a les balles perforantes, je pense que c'est bien. Au moins, les dégâts de balles tirés, qui est assez bien. Et là, je peux augmenter. Là, je peux acheter, là. Balles toxiques. Silencieux! Est-ce que... Attache recyclée. C'est quoi la différence? Réduit légèrement le bruit d'arme, réduit légèrement sa portée effective, surchauffe très rapidement. Réduit considérablement sa portée. Ah, ça réduit juste. Ah, c'est mieux ça. Je peux jouer en coop là? Coop, Far Cry 6 c'est encore mieux avec les amis. Ah là, je peux jouer en coop, ça y est? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, chat? Ok, donc je vais l'attendre alors. Ok. Donc si je peux farmer là en attendant. Ça peut être pas mal ça. Oh putain. Donc là je peux farmer. Mais les gars attendez. Si t'aimes une arme, tu la boostes. Chat, j'ai eu un sniper dans le store les gars. Oh attendez les gars que je... Là j'ai une poudre à canon. Donc ça me permet de faire ce que je veux, c'est ça? Ah ouais, non, mais la lunette... Quand je prends la lunette de sniper, les gars, ça la valide sur toutes mes armes? Genre, je peux la mettre sur toutes mes armes, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut que je débloque, là, en prio? Les gars, j'ai... Échange de matériaux? Un est égal à 10. Magnifique. Ouais, dans les mêmes armes, dans la catégorie, d'accord. Qu'est-ce qu'on booste, chat? Qu'est-ce qu'on booste? Le pistolet pour faire John Wick ou le sniper? Pistolet, il me faut les balles perforantes, les gars. Le pistolet, c'est obligatoire. Balle explosive, balle incendiaire. Sinon, on a les silencieux. Le silencieux, c'est pas mal, hein. Silencieux, c'est pas mal. Le snipe. Oh! Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous visez. Oh non, c'est bien ça. Augmente les dégâts du premier tir après avoir rechargé. Oh, c'est bien ça aussi, putain. Oh là là, il me les faut tous. Visée précise. Augmente les dégâts des armes lorsque vous visez. Non, mais c'est incroyable. C'est ça. C'est là où il faut. C'est ça. Coup de pression. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis. À basse santé. Dégainage rapide, augmente la vitesse de dégainage. Il me faut tout ça là! Il faut que j'aille farmer des poudres d'os. C'est pas des poudres d'os, putain, c'est dans quel jeu poudre d'os? Sniper et pompe, mec. Vous êtes sûr le snipe? Ah, mais j'ai déjà lui avec le balle perforante, donc c'est vrai. J'ai déjà le pistolet d'or en vrai. Attends, mais là, j'ai pas...
Ah, j'ai le lance-flamme là. Ok, donc ça sera le lance-flamme. Lance-flamme ici. Ok, en 1, le lance-flamme. En 2, le M16. Là, il est très bien. D'ailleurs, attends, j'ai pas checké s'il y a des améliorations cool. Silencieux. Ah non, mais. Ah non, le petit viseur, il régalerait. Hein. Ça compte comme un fusil d'assaut, ça? Sniper et pompe. Donc, je prends quoi? Je prends la lunette? Je prends la lunette? Celle-là, elle est dégueulasse, hein, frérot, hein, celle-là. J'ai très peur qu'il y ait du scotch dedans. Oh, et sinon, venez, les gars, j'économise, non? Allez, hop, ça, c'est bien, ça. Hello, c'est moi, le squelette. Plus de nouvelles, car le sport, c'est plus trop ça en ce moment. Je passe une mauvaise passe et c'est du sérieux. Mais faut jamais lâcher. J'ai quand même la motivation et je me promets de reprendre et de jamais abandonner. Lâche rien, mec, lâche rien. Bonne soirée, je t'aime. Lâche rien, mec, c'est dans ces moments-là qu'il faut jamais lâcher, mec. Alors, la minimap, il y a des caisses blanches, c'est ça? Donc là, Oh. Oh putain. Oh, mais je pensais que c'était ça la map du jeu, moi! Oh merde! Donc là, j'attends Squeezie pour faire ça, hein. Donc moi, il faut que j'aille farmer là. Déplacement indisponible avec cette mission. Donc il faut que je me balade sur l'île en attendant Squeezie. Et je regarde ma minimap pour voir s'il y a une case blanche, c'est ça? Sinon j'achète le truc. Oh attendez, attendez, attendez. Sinon, en attendant Squeezie, révèle l'emplacement de toutes les boîtes à bijoux. Putain. Et coque. Oh merde. Ah, dommage, y a pas de McLaren, les gâchis. Oh merde. Les gars. Comment je fais pour récupérer les trucs que j'avais sur Ubisoft Connect? Comment je fais? J'ai récupéré genre un sniper et des trucs comme ça. Mage F2. En fait, je t'explique. Je les ai déjà. You have been successful. J'ai déjà activé les rewards. Mais je ne sais pas où les récupérer. Ah, c'est après le prologue, d'accord, putain. C'est après le prologue. Oh, il y a un truc là ici. Il y a une bouteille. Le jeu de Squeezie Bug, ça peut être que tu l'aides, beau gosse. What the fuck? Honoré. Le tigre, 7 mois. C'était un hôtel, les gars, j'ai fait un sacrifice. J'ai cru que. Les gars, j'essaye des choses, d'accord? J'essaye des choses, les gars, je suis un easter egg gamer, les gars, il faut essayer des choses quand vous êtes des easter eggs. Checkez la minimap, s'il y a pas un truc. Je
Je vois ce que je vois là? Chat, vous voyez ce que je vois? Il a un fusil. Il a un fusil en main. Donne-le-moi. Salut, ça roule? Eh, hey, t'es en rogne ou quoi? Je récupère. Bah alors, son arme, elle est où? Non, je voulais la MP5. Oh, le bâtard. C'est pas moi! Hein? C'est pas moi! Y'a un coffre là, attends. Y'a un coffre? Comment je grimpe? C'est un easter egg. Je voulais la calache, je voulais des trucs. Yes, y'a des ennemis ici les gars. Yes. Je commençais à m'emmerder. Le mec qui me tire dessus là. Je suis aveugle. Non, pas le téléphone. Grenade. Le scotch. Joli scotch. Éteins le feu. Ok. Je suis chez moi. Hashtagad. Il y a un tracteur. Je la mords là? Je la mords? On cherche un agriculteur? On cherche les easter eggs. Il y a du monde là. Il y a du monde là les gars. Il y a un lapin, je vais aller le voir. Baisse ton arme. Pardon. Là. Ok, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah!
Reviens! Je suis John Wick! Un sac de easter egg? Je prends. Un coyote! Merde! Ah merde, c'est des coyotes! On va nous défumer! Y'a un autre coyote? Ne me dis pas qu'il y a un autre con là-haut là. Pardon monsieur. Ok, on y va. Ça va être chaud là les gars, ça va être chaud, il y a beaucoup plus de monde là. Entrée principale. Putain, c'est un campement les gars. Sur les noobs. On va les fumer. Il est pas là. Y'a un conflit de musique là. Je vois personne. Je vois personne. Là-dedans, là, il doit y avoir des choses. On va tout péter, mon pote! C'est quoi ça? Complétez votre catalogue de chansons en dénichant des clés. Carte. Déloot. Venez plus nombreux là.
sont très nombreux là. Il y a des choses ici, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Je suis en train de tout faire péter. Là, là, il y a un autre truc. Essence ? Juste de l'essence ? Juste de l'essence. Ok. Activité suspecte détectée au niveau du dépôt de carburant de Cabeza. Vol d'essence potentiel, fouiller tous les civils, véhicules, cargaison. Restez vigilants en toutes circonstances. Oh le bâtard, il y a des trucs au-dessus. Un enterrement. L'un de nos soldats est l'un des plus grands inhumés dans notre terre sacrée. Un célèbre Yankee a dit : l'arbre de la liberté doit être abreuvé de temps en temps. Du sang des Merde, j'avais des grenades. Le seul sang que je veux voir est celui des infâmes terroristes de Libertas. Nous les pressons jusqu'à la dernière minute. Oh, je suis bête, Nathan. Le sang des traîtres de Clara Garcia sera l'engrais. Ok, donc c'est ici que c'est ici qu'on prend l'essence. Putain, y'a un coffre, les gars, y'a un coffre. Squeezie rencontre Juan Cortez et le crocodile maintenant si jamais idiot. Poudre à canon, let's go! What the fuck? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Comme zbeul ici là? Qu'est-ce que je suis en train de foutre comme zbeul ici là? Bon, il se trimaque. Attends, comment je fais pour récupérer ce territoire? Supprime auprès. Ok, comment je fais pour récupérer ce territoire? J'en suis sûr, je peux l'avoir pour moi, non? Il y a un drapeau, donc c'est sûr, je peux l'avoir pour moi. C'est là. Oh mon dieu, je suis un gros. Je suis un génie? Non, je suis pas un génie.
Déjà, ils respawnent les noobs. Non, mais ils sont tous respawn là. Attends, mais ils ont tous respawn là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Hein? Ils ont tous respawn. J'espère que t'as fait tes prières. Ils ont tous respawn! Attention à ces chiens! Allez, 50 balles. Et le noobs! Comment je fais là? C'est quoi mon objectif? À part tout faire péter, les gars! J'ai encore respawn, mec! Est-ce que ça monte mes armes le fait de tuer des noobs?